Salut à tous, c'est le M. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer une vidéo sur ATS. Alors, déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je joue déjà à ETS depuis longtemps. Donc, je connais à peu près toutes les touches. Je joue avec un Thrustmaster ET300 RS. Ouais, c'est ça. Du coup, la première chose à faire quand vous jouez ou un peu la simulation au jeu de camion, ce qu'il faut faire déjà premièrement, ça dépend après la config que vous avez. Il y a deux trucs à faire. Alors la première chose à faire, ça est dans options, vous faites clavier. Vous allez régler toutes les touches. Nanana, tac tac, tourner à gauche, nanana, rapport inférieur, peur, monter, nanana, descendre. Déjà attendez, juste on va aller faire un truc parce que ça va tous nous saouler. C'est ça, voilà. On sera mieux déjà. Du coup, j'étais en train de vous dire ce que je vous disais, c'est qu'il faut aller dans le clavier, le bouton machin. Et après, moi, c'est ce que je fais. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Donc, déjà pour couper et mettre le contact, je fais ça. Hop. Démarrer le moteur. Je fais ça. Attendez, parce que je crois qu'en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que. Je mettrai couper le contact. Si, si, attendez, on va aller voir parce que je crois qu'elles sont déjà calibrées mes touches. Ah ouais. Pas toutes, hein, je crois. Attendez, on va voir. Partiellement. Attendez, on va aller voir ça parce que c'est quand même sacrément bizarre. Attendez, on va aller dans. Clavier, monter le rapport. C'est bon. C'est bon. Ah ouais, c'est comme ça. Clignotant à droite. Non, merde, je me suis trompé. Clignotant à gauche, merde. Et clignotant à droite. On va faire comme ça parce qu'en fait, le truc que si je fais pas comme ça, en fait, c'est bah. Non, si c'est ça, c'est bon. Non, là, je vais démarrer le moteur. Putain, mais je fais n'importe quoi. Pétard, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Démarrer le moteur, c'est là, voilà. Démarrer, couper le contact. On va le mettre à côté, au pire. Activer le moteur, on s'en fout. Augmenter le frein moteur. Là, diminuer le frein moteur. C'est là, frein remorque. C'est là. Du coup, clignotant à gauche. On va faire là. Et clignotant à droite. On va faire voilà. Ça c'est bon. Les feux, on va faire. On va le mettre là. Et je referai tout ça ensemble. On va faire comme ça. Tableau de bord, on s'en fout. Et on peut laisser, on s'en fout.
Après, on va faire ça, ça c'est bon, c'est déjà fait. Après, on va dans le graphisme. Et normalement, c'est tout en élevé, en ultra, si j'ai bien tout réglé, c'est bon. Voilà, bon, on va commencer du coup. Hein. Désolé, le temps que je mette un petit peu tout en marche, du coup. Je vais vous montrer quand même le camion qu'on a au début. C'est celui-là. Après, plus tard, on mettra des mods et tout ça. Mais pour l'instant, on va juste conduire et découvrir un peu. Après, les points positifs et négatifs. Point négatif, après, c'est moi. Hein, mais j'ai l'impression que ETS, il est quand même mieux fait. Après, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. C'est mon avis. Chacun a le sien. On va regarder à droite, à gauche. Après, voilà, on va mettre des modes. Après, je pense plus tard, on mettra des modes trafic. Des choses comme ça, faut faire un peu, voilà. Après, voilà, pour l'instant je voulais commencer et vous faire une première vidéo. Une petite vidéo comme ça, ouais, ça va, c'est pas mal. Regardez, voilà, ça, ah, on part. Après, merde, j'ai oublié de mettre le clignotant. Zut, comme on dit. Bon, voilà, on doit aller à 30 miles, bah, 30 km, je sais, 100 miles, en tout cas faut aller à 30, pas plus. On va rouler à 30 déjà, c'est déjà pas mal. On va pas, ah voilà, bah j'avais même pas vu le feu, regardez, pour vous dire. Déjà on va enlever ça me saoule, tout ce qui est trucs comme ça. Moi je préfère me référer avec mes rétros, voilà. Après c'est cool, hein, c'est cool. Après voilà, là j'ai pas de mode, j'ai rien pour l'instant. Après oui, sur ETS j'ai plus de mode, pro mode et tout, voilà, bon. On va pas tout vous expliquer, vous connaissez. Bon, j'y vais pépère. Après c'est vrai que... Je parle, mais c'est vrai que j'ai l'impression que niveau voiture et tout, si on met pas de mode ou un truc comme ça, je trouve que c'est pas beaucoup fourni. Hein. Après, c'est peut-être moi, voilà. Mais après, voilà, je trouve que les développeurs ont fait un sacré travail. Et je trouve que voilà, quand on joue à ETS, et ben on reste vraiment, voilà, moi, voilà, on reste voilà, de l'Europe. Et c'est vrai que jouer à ATS, on connaît pas, c'est vrai que on connaît pas tout. On connaît pas l'Amérique, on vient pas d'Amérique, voilà. Mais ça change un peu et voir un peu les autres camions, des autres choses, moi je trouve ça marrant. On sort un peu de son contexte, si vous voyez ce que je veux dire. Moi je pars, je ne peux même pas les vitesses. Et là du coup, bah apparemment, bah, on va aller, on doit aller à un dépôt, apparemment. On va y aller, là on peut rouler un peu plus vite. Hop. Après voilà, je trouve que voilà, ça change un peu, mais je trouve que voilà, niveau fluidité du trafic, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, après c'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a des modes de trafic que j'utilise sur ETS, mais en fait il faut des bonnes configs. Et après c'est vrai qu'il y a des modes de trafic qui sont. Qui font bugger un peu le jeu. Mais après voilà, je trouve que c'est quand même sacrément vite, quoi, si on a rien. Ouais, moi je parle et tout, je roule, je sais pas comment. Je sais pas si j'ai, je crois que j'ai pas fait. Attendez, on va juste aller faire ça rapidement. On va dans le clavier. Ah si, régulateur de vitesse, augmenter la vitesse, régulateur de vitesse, voilà. On va faire reprise de vitesse. Et voilà. Ouais, je vais juste voir ça. Bon bah, on est parti.
Ça c'est le frein moteur, le frein moteur, c'est n'importe quoi, le frein remorque. Après là moi je suis en ultra, voilà, après j'ai une bonne config, j'ai un Ryzen 7, ouais, je crois que c'est un 23, je sais plus combien, j'ai une 2060, j'ai un water cooling, j'ai 16 Go de RAM, voilà, j'ai une bonne petite config qui va bien, un bon petit water cooling, voilà. Après je suis pas un grand spécialiste de l'ordi, mais en tout cas j'ai une bonne config. J'ai fait par nos amis LDLC, voilà, après c'est moi qui ai choisi les composants, MSI, une carte mère MSI. Et je vous redirai par rapport au Ryzen 7 c'est lequel. Comme ça, voilà. Mais bon, vous voyez, c'est cool, hein, on roule. Normalement, si je fais ça, hop, là on va aller sur la carte. Normalement, on va à Los Angeles. Je vais juste faire ça. Voilà. Je laisse, ouais, c'est ça, hop, pardon, c'est moi, hop. Après c'est joli, hein. Je trouve que c'est joli. Voilà, c'est très américain. Après voilà, là j'ai pas de mode, j'ai aucun mode, voilà, là je joue au jeu sans rien. Après comme je vous dis, on va faire 2-3 d'abord petites parties comme ça, et dès qu'on achètera un autre propre camion, là j'inclurai des mods. Voilà, qu'on se fasse un bon petit truc ensemble. Après voilà, ça change parce que voilà, on voit beaucoup de vidéos sur ETS, et je voulais me faire une petite sur ATS. Là je suis en train de record, je vous dis la vérité, il est 3h du mat. Pas obligé de rester sur la voie comme après si ça vous plaît, voilà, après je pourrais carrément vous faire on pourra faire la même sur ETS, voilà, sur plein de jeux, il y a plein de jeux, il y a plein de jeux qu'on peut, la simulation sur voilà. Oula, je regarde le rétro quand même, bien sans le lit, mais bon là pour l'instant j'ai pas trop de trafic donc c'est pas trop dérangeant. Mais je trouverai les modes que j'ai sur ETS et je les mettrai. Ça a changé un peu, je veux dire, voilà, il y a plus de camions, il y a plus de camions quoi. Plus de camions, plus de voitures, plus de choses. Mais là je trouve que ça sort pas à grand chose en sachant que là c'est le début du jeu et du coup bah on peut pas acheter de camion, donc je vois pas l'intérêt de. Pour l'instant de mettre des modes de fou alors que pour l'instant on a même pas, voilà, quand on achètera notre premier camion et qu'on pourra commencer à là on prendra 2-3 modes, et bien sûr je vous les mettrai en description. Et moi je prends tout sur le workshop, je prends 2-3 modes après un peu sur des sites machin, mais je suis pas le meilleur en mode quoi, c'est pas moi le meilleur en mode, voilà. Moi je suis un joueur lambda, comme on dit. Joueur lambda. Oula, fallait un peu le titre. Mais attends, parce que je sais pas s'il a pas de régulateur de vitesse, tu vois. Je sais pas. Celui-là est là. En tout cas, je trouve que ça change des camions parce que moi je roule en Scania RGL pour les connaisseurs. Ça change. Gros, ça fait un peu plus de bruit. Ah, et à nos amis. La Patrol Highway. Je crois, si je me trompe pas. Ma passion c'était ça. Ah si c'est ça, pas trop, oui. 911 comme on dit. À son classe alors voiture, hein, comparé. Bon, nous on a des voitures classe, elles sont jolies, hein, mais quand tu vas en Amérique, tu te dis ouais,
les mecs. Wow, 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 wow. Tu vois, ça c'est. En plus, il y avait les copains. Côté, il y avait les copains. Boum. Bon, après, moi, je suis pas un fin connaisseur. Bon, ceux que j'ai encore des. Je sais même pas. Moi, je pas. Mais ouais, je vous disais, encore des fins connaisseurs, peut-être. Je crois que c'était pas vert. Merde. Zut, je viens de prendre une amende. Par contre, ouais, voilà, ça s'enlève, c'est cool. Mais ça, on l'a pas dans le thé. Je veux dire, quand. Bon, ouais. Je parle, je fais n'importe quoi. Je passe les vitesses à la One Yen, je fais n'importe quoi. Si on cherche la consommation, c'est pas ici, je vous le dis. Après, je trouve ça beaucoup plus réaliste de mettre les vitesses. Bon, d'accord, hein, les fins connaisseurs et tout. Oui, mais tu passes mal les vitesses, machin, machin. Je mens. Bip. Non, c'est... Voilà. Juste que plus tard, je prendrai peut-être un pomo ou un machin. C'est vrai qu'avec les palettes, c'est un peu compliqué. Je jamais le feu, mais tellement je m'arrête. Ouais, voilà, vous voyez pourquoi. Hop. Après moi je m'y connais pas en camion voilà. Il y en a peut-être qui s'en connaissent très mieux que moi. Mais en tout cas ouais, je l'ai pris là, le jeu, il était pas très cher. C'était cool. Et du coup bah voilà. Mais j'avais essayé tout à l'heure le jeu parce que je voulais regarder 2-3 trucs. Et c'était pas la même mission du début, c'est cool, hein, ils te mettent pas la même mission quand tu commences un truc. Après, c'est peut-être parce que voilà, mais. J'ai pas l'impression que ce soit la même, même mission. Par contre, des feux, il y en a à l'appel, hein. Comme on dit. Chez nous. Après, voilà, je mettrais d'autres modes, des modes où de camion, machin. Si ça vous plaît, bien sûr, après moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça, ça change de ce qu'on voit quoi tous les jours. Faut prendre le coup. Les vitesses elles sont juste super courtes, les vitesses courtes. Mais... Ouais mais après moi là je suis pas habitué aux miles, moi je suis plus habitué à 1 km/h, ça aussi il faut s'y faire. Bah alors copain, tu vas rester sur ma voie de gauche. Hop, on va se faire avoir, on va se mettre là. Voilà, bah ça c'est voilà. Bon. J'ai déjà pas d'argent, je mets. Ah ouais. On a déjà pas beaucoup d'argent, je me mets déjà dedans, tu sais. Ah bah maintenant que. Ouais, j'y vais. Voilà. C'était l'accident du début de la vidéo. Hein. C'est pas grave. Hein. Bon, ça accidente un peu. Et hop là. Et même vous savez le mode je vais mettre un mode aussi pour les trucs verts pas très beaux là. Je trouve ça pas très bon là, on va faire ça comme ça. J'ai vraiment la flemme de faire une manœuvre hein. Oui ça va, hop, on va faire comme ça, voilà. Distance parcourue, tac tac, on s'est fait 1431 euros. Hop, c'est génial, ouais. Bon, on va s'en faire une petite deuxième. Ah.
Voici votre siège social. C'est vrai que non. C'est un garage plutôt basique, cela peut paraître dérisoire, mais c'est un début, c'est vrai. Malheureusement, vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici, il n'y a donc aucun camion à votre disposition. Une fois que vous aurez gagné assez d'argent et acheté un camion, vous serez en mesure de vous déplacer librement et de commencer les affaires. Bonne chance, et pour les Anglais, good luck. Du coup, voilà, ça c'est... Voilà, du coup on va faire une mission rapide. On va partir de San Diego. On va faire une mission rapide. Moi je connais pas, je vous dis la vérité, hein, je connais pas ces camions là. Après les camions, je connais plus les camions français. Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche, j'aurais peut-être dû. Mais voilà. Ah, c'est pas notre ami le RGL ça? Hop. Ah bah c'est tout autre chose là qui m'a regardé. Hop. Alors apparemment c'est un Kenworth. Après ça c'est les sons SS. Ouais c'est son SS. Et du coup on emmène quoi? Des réservoirs de mélangeurs. Ok. Ok, bon. Bon, c'est un autre camion, hein. C'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on peut changer de camion. Après, on aura. On aura un autre camion à nous après. On la fenêtre, attends. Il est chaud. J'ai fait le bête. Vous entendez quand même, c'est un sacré bruit. Hein. C'est bien, on a un régulateur. Ouais, il est joli celui-là. Il n'y a pas de cabine, hein, c'est... Là, on dort pas là-dedans. Hein. Moi j'avance. Youpi youpi Ce qui est marrant, c'est le museau devant, c'est énorme. Attendez, je crois que j'ai fait un truc, j'ai fait une bêtise.
Ah, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Voilà. J'avais le frein hydraulique. Oui. Bon, le klaxon laisse à désirer. Hein. Oh, il y avait la patrol highway. Oh mon dieu. Attention, on est à fond. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour commencer, je pense que je prendrai un truc comme ça, mais de tout, pour s'acheter un camion, les gars. Voilà. Pour s'acheter un camion, on va devoir rouler, les gars. Après, il y en a plein qui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent jouer à celui-là, mais moi je trouve vraiment qu'il a un potentiel à aller voir. Et là je fais un peu d'autoroute parce que j'essaie de gagner un peu d'argent, mais quand on aura notre camion, on fera des voyages un peu mieux. Et si vous voulez, je prendrai la promode Canada, comme ça on ira se balader, on ira voir le Canada, on ira se faire plein de choses. Mais là on va un peu, on va, comme je vous l'ai dit, comme ça vous revoyez, on est parti de San Diego pour aller à Oxnard. Oxnard. Je sais pas trop comment vous appelez ça, moi je suis pas américain. Mais voilà, pour l'instant voilà, mais là pour l'instant j'ai quelques DLC, mais si les vidéos ça vous plaît et que vous en fait que ça, je vois là, que vous aimez bien ça, on ira se balader un peu ailleurs. Bon, je vais fermer un peu la fenêtre parce que c'est vrai que le bruit du camion est un peu lourd quoi, comme on va dire. Pardon, oula. Voilà, vous voyez, je voulais juste vous montrer un peu, j'aurais bien fait de rester dans la cabine. J'aurais bien fait de rester dans cette cabine. En Fahrenheit, les gars. On est en Fahrenheit. Ouais, en fait, on est à 90. Mais je sais pas si les trucks américains ils peuvent pas monter un peu plus, je sais pas.
Parce que nous on appelle ça des camions, mais là-bas c'est des tracks. Et on roule comme ça, pas plus vite, pas plus lentement, et c'est bien pour tout le monde. Comme on dit, les boutons sont bien gardés. Après ça reste de l'autoroute, hein. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Après c'est vrai que nous on aime conduire ce qui est chez nous, machin, là, on dira toujours, voilà. Mais ça change un peu parce que moi qui joue beaucoup à ETS, ça change un peu. Ça reste la même physique et la même base. Hein. Ah, et monsieur, il s'est fait arrêter. Ça c'est la même base, hein, mais ça change un peu. Je regarde même pas mes rétros, change de voie et tout, comme ça, je suis un malade mental. Là, comme je vous dis, il n'y a personne sur les routes. C'est ça qui est un peu dommage que je trouve sur ces licences-là. C'est que. Il faut des modes. Pour embellir le jeu, il faut des modes. Après, je dis pas qu'ils ont pas fait un travail extraordinaire, hein. Je crée pas des jeux, je suis pas créateur de jeux. Mais je trouve que niveau voiture, pourtant, c'est un jeu qui, normalement, qui est du trafic, qui est normalement, quand on est camionneur du trafic, on en voit. Là, je trouve que c'est assez vide. Et il va falloir que je trouve un. Oula, je vous parle, je suis en train d'accélérer à fond. Faudrait, ouais, comme je vous disais, faudrait que je trouve un mode qui pourra mettre un peu plus de vie, quoi, sur la, comment on dit, l'asphalte ou la Daytona, comme on dirait, les Américains ils diraient. Parce que c'est vrai que là il y a personne, quoi, besoin de... Mais voilà, comme je disais, les modes de trafic sont. Ça dépend en fait, il y en a ils sont bien, mais il y en a, je veux dire, voilà, ça fait friser le jeu à une vitesse et hallucinante. Après moi je me rappelle, je l'avais, mais il y a longtemps, ATS. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a longtemps et je regarde jamais mes rétros. Faut pas que je fasse ça en vrai. Mais ouais, je suis en train de vous dire. Je sais plus ce que je suis en train de vous dire. Oui, je sais. Ah si. Bon, c'est pas grave, hein, j'avais qu'à regarder mes rétros, voilà. Non, mais comme je vous disais, ouais, je l'avais sur l'ordi, mais il y a longtemps. Et je sais pas si vous vous... rappeler, je fais n'importe quoi avec les items, je pars. Mais si vous vous rappelez, on pouvait faire du. Là, il y avait des modes de chasse-neige. Mais c'était vraiment à l'ancienne, hein. Je parle de ça. Il y a bien 10 ans. Non, je pense. Après, voilà, comme le seul truc que voilà, le bémol que je peux donner à ce jeu, que je peux reprocher, après, c'est mon seul reproche, hein. Après, d'autres gens me diront que oui ou que non, c'est vraiment le mode qui a pas beaucoup de trafic, quoi. C'est vraiment. Bah ça va, je t'ai pas vu, je suis en train de discuter avec mes abonnés. Voilà, je coupe la ligne et tout, c'est n'importe quoi. Heureusement que c'est un jeu, hein, parce que ça ferait bien longtemps que j'aurais plus de permis. Bon, bah on va découvrir la ville. Hein.
Après voilà, je pense que aussi je vais monter un petit peu aussi moi aussi comme ça déjà par là bon, je pourrais avoir un camion et comme ça on pourra aussi commencer les vidéos avec notre propre camion, parce que c'est vrai que là ça risque d'être un petit peu long même pour vous voilà quoi. Là on, c'est juste de gagner de l'argent. Même, je prendrais des modes pour la les voitures de police, plein de petites choses comme ça. On va implémenter un peu le truc. Allez, Jean-Louis David. Je suis pas habitué moi à ces camions encore. Je suis habitué à mon Scania. En fait, le problème, c'est que voilà, comme on change de camion à chaque fois, il y en a qui ont des vitesses courtes, il y en a qui ont des vitesses lentes. C'est un peu compliqué tout ça. Et avec leur feu là. Le code de la route. Par contre, c'est vrai que ce klaxon, on va. Non. Je vais mettre des trompes. Vous allez voir, on va se faire un joli camion. Il va être joli, je pense. Je serai pas déçu. Même, on mettra des vraies entreprises aussi. Parce que bon, ça. Bon. On va regarder là. L'entrée de là. Ouais, et même les trucs verts là, comme je disais, on va les enlever, ça. Bon, je traverse la route, je crois que c'est un dé. Hop. On fait confirmer, hop. Voilà. Non, fais-moi pas ça, parce que... Bah, c'est super. Et voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et de toute façon je vous en referai une ou deux. Attendez avant, regardez, travailleurs pour gagner nana, longue distance, marchandise nana, hop là, on va faire, pour commencer, on va faire, longue distance appliquée. Et voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et on essaiera de s'en faire une. Attendez juste avant, voilà, il y a besoin d'argent, la banque, nous vous offrons un prêt. Entreprise, avez-vous besoin d'une finance de société? Tac, tac, tac. Visitez notre agence bancaire. On va aller. Moi, je vous dis que faire des prêts, c'est pas la meilleure chose au monde. D'accord? Parce que là, c'est un truc à vite nous mettre. Voilà, nous sommes distributeurs agréés de... Nous vous ferons une large choix de configuration de ainsi qu'une permission. Sonnaire de San Diego. On va aller faire un petit tour d'abord. Attendez, avant de partir, de finir cette vidéo comme ça, comme un voleur, on va aller voir un petit peu les camions. Voilà. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Du coup, il y a ça. Ok. Celui-là, c'est la San Diego. Il y a celui-là. Hop. Ça. Ça, ouais, c'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal, il y en a une dizaine, hop, ok. Ça c'est ça, c'est qu'on aura beaucoup les gars, parce que là on peut même pas aller le voir ça. Je pense que le premier, les gars, ce sera un truc comme ça. Je pense qu'on commencera par ça. Après, attendez, je veux juste aller faire un petit tour. Dans...
faut être en vendeur de camion. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez. Hein, l'heure du jeu. Mais moi, en vrai, là, il est 3h32. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et bonne fin de soirée à vous. Et merci.